Salut tout le monde, c'est Kathleen86. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie du parc de Universal Studios. Donc, sur la partie de Harry Potter, bien évidemment. Donc, nous pouvons aller à Préolard, juste ici. Nous avons la ville de Londres, juste à gauche. Et je vois, regardez, Scorgrimmaud, c'est juste là. Scorgrimmaud, si je me rappelle bien, c'est là que se trouve l'ordre du phénix quand Harry Potter va chez Sirius Black. Donc je crois que c'est une des maisons, je crois que c'est celle-là d'ailleurs. Alors, qu'avons-nous à Londres? Nous avons le Magicobus. Chevalierbus. Toute destination, mais aucune en aquatique. Oui, c'est logique. Le métro de Londres, le magasin et la gare. Ok. Donc bah écoutez, je vous propose d'aller voir tout de suite ce qu'il se passe à Préolard. Maintenant qu'on a une petite visite de Londres. Ah, c'est trop cool. J'aimerais bien y aller en vrai. Et c'est parti. Donc je rappelle, ne soyez pas trop déçus, il n'y a qu'une seule attraction de Harry Potter là que je vais faire tout de suite en arrivant à Préolard. Enfin, on va prendre un petit peu le temps de découvrir, mais je vous ferai l'attraction. Alors, hop, on attend un petit peu que ça charge. Et on va pouvoir y aller. Donc nous sommes bien à Préolard, comme le rappelle cette entrée. Il y a le Poudlard Express juste ici. Alors il y a Zonko, le magasin de charges et attrapes, n'est-ce pas? C'est là que Fred et George aiment beaucoup passer leur temps. Nous allons ensuite chez Onedex. Et on ressort de l'autre côté. Très bien. Nous avons du jus de beurre. C'est quoi? C'est de la bière au beurre? Après, ils ont peut-être dû adapter les noms. Vu que c'est ah bah non, du vendeur, fabricant de baguettes. Waouh. C'est vachement cool. Attendez, on est à Préolard. On a la poste. On peut envoyer un courrier si on veut. Avez-vous vu ce magicien? J'arrive pas à lire le nom. Empanada. Je l'ai vu au début, mais... Ah bah maintenant c'est moi. Très bien. Ok. Ah, on va aller là tout de suite. Je crois que c'est la taverne qui n'est pas très fréquentable. Si je me souviens bien dans Harry Potter. Ah, les décors sont vachement bien foutus. Je suis fan de Roblox en fait. Quand on voit tout ce qu'il y a, tout ce qui est possible de faire dans Roblox. Ah non, c'est cool.
Ok, allez, on avance. Qu'est-ce qu'on a encore? La poste, on y allait, les toilettes. Ok. Et vous imaginez, vous êtes dans un parc et vous visitez Fréolard, c'est cool. Normalement, il y a Poudlard, pas loin. Ah, Poudlard est derrière. Mais je crois qu'on peut pas y aller. Ah, peut-être une prochaine fois. Hein. Si les créateurs continuent d'améliorer Universal Studios, il y a moyen. Hein. Donc, nous voici dans la seule attraction possible, le voyage interdit. C'est l'attraction dans le château d'Harry Potter. Donc, on ne peut pas le visiter complètement à pied. Et il y a... Enfin, vous verrez bien. Je vous spoil pas, on y va. Ok. On a déjà une petite statue à l'entrée. Et il y a plein de mandragores. Ok, nous sommes vraiment dans le château là, c'est parti. Ok, les sabliers des maisons pour la coupe de fin d'année. Ça, c'est l'entrée du bureau du directeur Dumbledore. Ça aurait été cool si les tableaux avaient été animés. Là, ça doit être un match Quidditch. Ok, il y a un petit peu de monde sur les murs. Hein. La cheminée qui fait... Ouais, qui fait pratiquement ma taille. Hein. Quoi ici? Voilà, du coup je vais vous laisser la vue comme ça, vous voyez tout. Ah, more guests. Welcome, welcome. I'm the headmaster of this magical school. Now, as you probably know, this is one of the schools where young people come to study the magical arts. For centuries, we've educated scores of young men and women. Many of whom have gone to distinguish themselves as fine witches and wizards. A few have strayed to the dark side. Once a young boy named Tom supersensibly stand out. Of course, these days, he is best known by another name. We don't speak of it.
The name alone strikes fear in good witches and wizards everywhere, and his hatred is widely known. But do not fear. You are well protected while here. I've personally casted a few enchantments and spells, specifically intended to ensure your safety. But should you ever find yourself in danger, I'll tell you what I tell all young boys and girls who pass through. There comes a time when all of us must make a choice between what is right and what is easy. Here's hoping you choose correctly. Now then, you're about to enter the Defense Against the Dark Arts classroom. If you're currently the Defense Against the Dark Arts professor, the position has proven perilous, I'm afraid. Professor Binns, our long-standing and deceased history of professor, will... Mais c'est vachement bien fait. Attendez, on a plus de l'art. Et on a plus de l'art sur Roblox, je le rappelle. Pour ceux qui râlent que Roblox c'est nul, c'est vieux, et tout ce qu'on veut, moi je vous dis que on n'est pas si mal. Hein. Expecto Patronum, ça c'est le sort pour repousser les détracteurs. Les détracteurs, les démenteurs, comme ils disent en anglais. Bon, moi je veux bien, mais on va où? Là? Ok. Les tenues des sorciers, les bagages. Standby. Ça y est, on est dans l'attraction. Je profite de la marche automatique pour vous montrer toujours un maximum de décors. Are not safe for you. You are still too small. You must be more than goblin sized. Le choix pour qui nous parle. No ranger something. Ah, il y a un raid. Ah, c'est pas vraiment un raid. C'est un manège où on visite des scènes. Ah non, mais. Bonjour. Au moins, je sais qu'il n'y a rien derrière moi. All right, say observatory. On three. One, two, three. Dans la forêt interdite. The forest isn't safe.
Oh oh, c'est une première ça. Ouais. Non, plus que le basilic, et on est pas mal au niveau stress et horreur. Ok, c'est déjà la fin. Franchement, c'était vachement bien. Bon, je regrette juste, c'est qu'on voit beaucoup de moments noirs, ça malheureusement. C'est l'attraction, je ne vais pas les couper, c'est dommage d'avoir des coupures dans l'attraction. Mais c'est vachement cool. J'espère qu'il y en aura d'autres des attractions sur Harry Potter, je reviendrai voir de temps en temps. S'il y en a d'autres, je vous les mettrai sur la chaîne. Ça, vous pouvez compter sur moi. Y a-t-il autre chose? Bah après, c'est les tenues et malheureusement, ça coûte des Robux. D'ailleurs, moi, je suis Poussoufle. Et vous, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Dites-le-moi en commentaire. Moi, je suis juste loyal et je ne sais plus la dernière qualité d'un Poussoufle. Je vais regarder ça tout de suite d'ailleurs, j'ai un petit trou de mémoire. Alors, les qualités de Poussoufle. La loyauté, la patience, la gentillesse, la modestie, le fair play, la persévérance, la justice, la sincérité, la tolérance et l'amour de la nature. Et donc il y a beaucoup beaucoup de qualités chez les Poufsouffles. Et je me retrouve dans tout en fait. Voilà. Donc c'est la fin de ce petit tour dans Pré-Ouillard, tout simplement dans le village. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré, j'espère franchement qu'il y aura d'autres attractions. Et je vais vous laisser donc ici. Je ne peux pas, donc on va chercher un meilleur endroit pour faire l'outro. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Franchement, j'espère que ça vous a plu. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et commenter. Du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.